Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'avais traité mon infection vaginale naturellement. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à s'abonner, like et partager la vidéo à un proche. Et c'est parti. Regarde si vous avez déjà abonné, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à s'abonner, like et partager la vidéo avec une amie ou quelconque. Regardez cette feuille là que vous voyez là, c'est feuille de ricin. Vous aurez besoin de cette feuille là. Regardez bien, je ne sais pas si vous connaissez cette feuille, c'est très facile à trouver. Ensuite, vous aurez besoin d'une feuille trompette, cette feuille là que vous regardez dans le truc, cette feuille là, voilà, ça c'est feuille trompette. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est, vous pouvez demander à quelqu'un, c'est très facile à trouver cette feuille là. Et ensuite vous aurez besoin d'une feuille, ensuite vous aurez besoin de cette feuille, on appelle cette feuille poids d'angole. Après vous allez faire bouillir ces feuilles pendant 15 à 20 minutes. Et ensuite, vous allez laisser le thé poser pendant 5 minutes pour qu'il puisse refroidir. Et après, vous aurez besoin d'une tasse et boire une tasse. Faites cela pendant 3 jours, chaque matin jusqu'à ce que... Ok, j'espère que vous avez compris et pour la première façon comment tu peux traiter une infection vaginale naturellement. Maintenant, je vais vous expliquer la deuxième façon que tu peux traiter une infection vaginale naturellement. Vous aurez besoin de l'ail, environ 3 à 4 gousses d'ail. Vous allez enlever les peaux et découper l'ail en petits morceaux. Vous aurez besoin du gingembre, environ 2 gingembre. Et vous allez bien laver les gingembre et découper les gingembre en petits morceaux. Et ensuite, vous allez faire mixer les gingembre, les l'ail, bien mixer. Après, déposez-les dans un bol ou dans un verre, ça dépend de vous. Et ensuite, rajoute du miel dedans et rajoute un petit sel et bon. Et ensuite, boire une cuillère à café chaque matin avant de manger. Ça, chaque matin avant de manger. J'ai bien dit chaque matin avant de manger. J'espère que vous avez compris pour la deuxième façon, la première façon que tu peux traiter une infection vaginale naturellement. Et maintenant, je vais vous expliquer. Et cette méthode, c'est très connu sur les réseaux sociaux. Et j'ai déjà testé ça une fois. Et vous aurez besoin d'une gousse l'ail. Et ensuite, vous allez enfiler un fil dedans et mettre ça dans le truc chaque soir. Et laissez le bout des fils dehors, s'il te plaît. Je ne vais pas avoir des problèmes, ok? Petit rappel, s'il vous plaît, si vous êtes en Haïti, la feuille de ricin, ça s'appelle feuille mascretti. Et la feuille trompette, je crois que c'est pareil. Et la feuille pois d'angole, c'est... Salut, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, donnez-moi un like et abonnez-vous pour une autre vidéo. Once again.